aimeriez la revoir ou pas? Il y en a un qui me rappelle quand j'attends. Il prend de vos nouvelles? Non. Anthony et son équipe emmènent le monsieur à l'hôpital. Il doit au plus vite être placé sous perfusion. On a essayé de lui expliquer que ça servait à rien de faire ça, que voilà, qu'il fallait sortir la tête de l'eau. On a essayé voilà, de lui remonter le moral. Voilà. On est là pour ça, on fait un peu de psychologie. Et... Pour Anthony et ses collègues, c'est une intervention de plus à ranger dans l'album des souvenirs. Ils ne peuvent qu'espérer que l'homme âgé va se réalimenter normalement. Je comprends pas qu'on puisse laisser mourir petit à petit ou je sais pas. Ah, un petit feu comme ça. Ouais. Comme d'habitude, le jeune Anthony attend les interventions en salle de musculation. Un exercice après l'autre, il repousse toujours ses limites. C'est le moyen qu'il a trouvé pour être bien dans sa tête de pompier. Premier départ de sa nouvelle garde. L'équipe est appelée pour feu de voiture dans une cité. À Clichy-sous-Bois, ce genre d'intervention est fréquent. C'est ici, en 2005, que de violentes émeutes avaient éclaté. Des centaines de voitures avaient été incendiées. Et les pompiers connaissent bien ce genre d'intervention. Ils ont été souvent pris à partie, caillassés. À chaque fois, le même scénario. Des voitures brûlent, les pompiers interviennent, se font agresser et demandent des renforts de police afin de pouvoir travailler. Anthony, lui, n'a pas connu ces émeutes. Clichy, je l'ai choisi. Alors forcément, je suis content d'être ici et je suis surtout content d'être pompier. Voilà, moi, je cherche pas à être à Paris ou à Clichy. Paris, ça veut rien dire.